une journée qu'elle n'est pas près d'oublier. Depuis maintenant de nombreux mois, Alice Dettolenard partage son quotidien sans filtre sur les réseaux sociaux. Entre son combat contre le cancer, ses vacances à la plage ou encore ses moments de complicité avec son compagnon, Camille Lacour, la jolie brune raconte tout. Ce dimanche 23 juillet, la comédienne a de nouveau pris la parole sur Instagram pour partager son bonheur. Confortablement installée dans l'avion, celle qui a rasé le crâne de son prince charmant a annoncé plusieurs bonnes nouvelles à ses abonnés. Aujourd'hui est une journée fantastique, je m'envole pour le Japon pour retrouver mon Camille, a-t-elle d'abord écrit. Outre le plaisir de revoir son chéri, Alice Dettolenard a également révélé qu'elle avait franchi un cap très important. Et je viens d'apprendre que j'ai obtenu mon permis de conduire, que j'ai passé hier. J'ai envie de chialer, a-t-elle révélé, plus heureuse que jamais. Mais ce n'est pas tout. Quelques minutes avant son départ pour l'Asie, le mannequin a pu échanger quelques mots avec son fils. J'ai eu mon doudou Marius au téléphone. Il passe la journée avec la maman de Jazz, en amoureux, a-t-elle indiqué, avant de conclure, bref, j'ai trop de chance d'être entouré d'autant de bonnes énergies et d'amour, et je me le répète tous les jours. Supérieur à supérieur à Camille Lacour rose un nouveau look surprenant pour une soirée avec sa chérie Alice Dettolenard, ses confidences bouleversantes sur la naissance de son fils, « Je suis saisie d'horreur au début du mois de juin », Alice Dettolenard s'était déjà confiée sur Instagram, mais pour revenir sur des souvenirs plus difficiles. La jeune femme s'était alors exprimée comme rarement sur son accouchement très compliqué du petit Marius. Il y a 2 ans, l'anesthésiste est venu me poser la péridurale, mais elle ne fonctionne que du côté droit. Le bébé est mal placé, il ne se retourne pas et reste bloqué dans mon bassin, avait-elle commencé, précisant qu'elle avait dû être opérée en urgence à cause des complications. Et de conclure, je sens que l'on m'ouvre. Je suis saisie d'horreur. On coupe, on tire et on coupe encore. J'ai tellement mal, avait-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.